Salut YouTube, on tente Onan Strike, dernier challenge du jour. J'espère que je vais réussir à le one shot. On commence avec Judas, on a le Chocolate Milk qui nous fait charger un tir. Et le prank, c'est que si on rate un tir, on prend un dégât. Donc faut être aux aguets. Faut être lucide. Ah oui, mais du coup, les piercing shots, c'est de la merde. Parce que piercing shot, je vais rater tous mes tirs. Mumswig, super. Pour avoir des araignées, ça c'est très bien. Bon starter. Alors, l'avantage de Judas, c'est qu'on fait des dégâts. Le Chocolate Milk, ça fait un tir chargé, donc on fait encore des dégâts. Le feu, on a le droit, d'accord. Le feu, on a le droit, ça c'est bien. Donc, faut être concentré. Faut faire attention à pas rater. Pas à la faire tirer inutile quand on est. Pas de tir d'inattention, on va dire, quand on se promène dans l'étage par exemple. Voilà, celui-là était close. Et surtout, faut trouver du cœur bleu quoi. Surtout, faut trouver du cœur bleu assez rapidement pour se protéger parce que là, voilà, avec un cœur, vu qu'on est Judas, on n'a qu'un seul cœur donc. Donc voilà quoi, c'est pas très safe. On a le shop ici, mais ouais, c'est pas dingue. Feu et caca, c'est bon. Ouais, le feu et les caca, un peu la flemme. Non, putain, l'araignée. L'araignée se l'est fait avant moi, dommage. J'active tout. Oh là là, attention quand même. Ok, un HP up, un cœur rouge, ça peut être la merde, mais c'est bon. Et on me donne le Liberty Cap, donc des effets aléatoires de l'arme. Non, pas de l'arme, pardon, de champignons. Ou la boussole. Ça a failli mal tourner, mais c'est bon. Alors là, faut que je vérifie, voilà, ce que les mouches font, enfin, ce que les araignées font. Ah, mais là, c'est l'enfer. Devil Deal. L'arme auto-guide dans ce challenge, c'est bien, ouais. Je pouvais pas faire grand chose malheureusement. Super, ils se sont suicidés, ça me va. Les araignées elles peuvent être prêtes, hein. Elles peuvent être prêtes, elles m'ont déjà planqué une fois. J'allais dire j'ai pas de clé, mais si c'est bon. L'aimant pour attirer les stems vers nous, bah parfait. Super. On aura un peu besoin d'y aller. Est-ce qu'on peut pas avoir un petit cœur bleu au shop? Non, pas de cœur bleu. Une bombe, mais c'est pas très intéressant. On va juste aller au boss. On a l'effet de la boussole, donc on a vu la challenge room là. Enfin, pas la challenge, la. Putain, merde. La sacrifice room. On va laisser faire les araignées là, je crois, parce que j'ai trop peur avec les cailloux. Condition que j'en ai, quoi. Before Sacred Earth. Ce serait sympathique, hein. C'est tout à fait sympathique un petit sacré d'or. Mais bon, j'y crois pas des masses. Je peux pas passer à la cinématique là, parce que si je relâche la touche et que ça fait partir une larme, tant pis. Enfin, j'ai l'air d'un con. Super, pas de vie dans le cul en tout cas. Ok. Ah mais j'ai un demi-cœur en fait, j'ai même pas fait gaffe. Ok, bon les cœurs ça devrait le faire. Les cœurs, on s'est remis à peu près. Parce que là, en vrai, offensivement, le build est bon. Hein. Offensivement, le build est déjà bon. C'est vraiment défensivement là qu'il va falloir choper des cœurs, des machins, des trucs. Ok. Non, et voilà. L'araignée. Du coup, plus de Devil Deal. Ouais, les araignées, c'était peut-être pas si ouf. Hein. Genre, c'est bien, mais. Faut faire gaffe, quoi. Là, le début, il est pas mort pour autant, on a quand même une chance sur deux. Alors c'est Book of Belial qui augmente les chances. Lui c'est pareil, hein, on va le prendre là, Loki, mais. Un petit pote qui tire dans les quatre directions, il peut nous planquer aussi. Hein. Et bon, ça fait un peu de dégâts. On a un double trouble en termes de boss.
Non, oh putain, si. Bah alors là, Lightbox était sympa parce que j'y étais pas vraiment dessus. On va aller voir le shop pour un cœur bleu. Ou un item si on récupère suffisamment de pognon d'ici là. Ok. J'ai eu peur que le Loki fasse ça, mais je pouvais pas relâcher la touche puisque bah, sinon je prenais un dégât. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Non! Putain, je l'ai one shot, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, parce qu'il était, il était ouvert. Ok. Ok, j'ai attendu que Loki fasse le travail là. Putain. Ouais, c'est vraiment pas le. Je sais pas si c'était une bonne idée de terminer par ce challenge. Hein. Ok, un cœur bleu comme ça, cœur bleu du pif. Pas de clé. J'ai pas de clé, un petit magic mushroom là. Non, rien du tout. Je sais même pas pourquoi je le tente. Je sais même pas pourquoi j'y crois encore. Ça a dû marcher deux fois ce call magic mush. Active ton Book of Villal par en pitié. Qu'est-ce qu'on a? Du coup on a double monstro. Bon, en vrai ils prennent cher. Avec le Book of Belial là. Non! Putain le taureau! Le taureau! Allez là je tire plus, on va laisser faire les araignées ou les tirs de Loki. Il a sauté dessus ce bâtard. Il a sauté dessus ce bâtard. J'avais tellement peur de lâcher une larme dans le vent que j'ai préféré laisser les autres finir et du coup c'est moi qui suis mort. Moi qui ai pris le dégât. Tragique. Ok, une pièce. C'est assez close là. Hein. Qu'est-ce que c'est? Yira. Alors Yira peut y avoir des plantes. Hein. Yira, il peut y avoir des sacrés pranks. On peut se faire un paquet de pognon, on peut se faire des trucs. On peut dupliquer les batteries si on a des trucs intéressants à dupliquer. Enfin, si on a un activable intéressant, je veux dire. Comment on y va ici? On peut pas y aller pour l'instant. Est-ce qu'il y a un truc intéressant au shop? 1 plus 1, c'est très très bien. Le cœur bleu, c'est très bien aussi. Mama Mega aussi. Je pars en haut, il me semble. Ah oui, exact. Range down, bah c'est pas pire. On a les 15 balles pour le 1 plus 1. Ça aurait peut-être été plus intelligent de les mettre sur le cœur bleu, mais bon. Je vais bien avoir 5 pièces rapidement là. On est 4 ici déjà. Peut-être un enfer. Putain, j'ai réussi à passer, je sais pas comment. On va laisser faire Loki là parce que sinon il va me pranker. Ok. Coffre Bélial. Ouais. Non! Putain, il a bougé, quel bâtard. Et là, il y a personne, pas pourquoi je tire. The Moon pour aller à la Secret Room. Pourquoi pas. Au moins le pognon est là. On va chercher le cœur bleu, maintenant c'est un peu tard, mais... Active ton item, pardon. On a la plume qui permet de drop des items sur les anges plutôt que les clés. Ça c'est pas mal, parce que les clés on s'en fout pas mal dans ce challenge. Le 2 de cœur pour doubler les cœurs, ok. Ah mais il reste... pardon, je t'ai pas vu. Je suis en train de raconter ma vie alors qu'il reste un type. Ok, on peut tirer dans les yeux sans que ça nous fasse des dégâts quand même. Ça c'est quand même pas mal. Ok. Parfait.
Qu'est-ce qu'on unlock? Des cœurs rouges, bah c'est super. Super nul. Du coup on a le cœur bleu là. Je tiens dans tous les ennemis invulnérables sans souci. Ouais nickel, mais j'étais pas sûr de moi donc Non mais moi j'ai quelqu'un mais. Ok nickel. Regardez Yera. Hein. Something wrong. Ouais. Par contre caca maïs, il y a un look up ici. Tac, Yera. Allez, bah c'est parti. Non, 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 non. Ok. Ah, une chance sur deux là. Qu'est-ce que je prends? J'ai pas vu ce que j'avais pris. Bon, moi, ok, j'ai shot speed up. The Stars, c'est très bien. On n'a pas eu l'item à cet âge d'ailleurs. On va aller voir le Devil Deal ce qu'il en est. Oh, le pacte. Ah, c'est dangereux, hein. C'est dangereux, mais je le prends quand même. T'as raté la dernière lame. Ah merde! Putain, dommage. On va mettre The Stars pour aller voir l'item. La petite mouche jaune, super intéressant. Ok. Bon, le pacte c'est bien. Le pacte c'est bien, ça booste les dégâts, donc les dégâts des araignées de Momswick seront boostés aussi. Ah merde, j'ai pas fait ce sale là. Ok. Il semblait l'avoir fait, mais j'ai mal regardé. Pardon, mal regardé la map. Ok. On va reprendre le. On prend l'Yera. Prendre le Yera. Ah, on est déjà à Depths. Et on va jusqu'à Isaac. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on va jusqu'à Isaac. Speed down, c'est chiant. Imatemasis, c'est bien si j'avais un Dark Bomb. Tears down, c'est chiant. J'ai déjà activé un Tears down avant, je crois, non? J'ai activé deux fois sans faire gaffe. Pas de dépôt de vidéo, dommage. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est range down que j'avais mis, ok. Ah, ça, c'est un tier down, par contre. J'avais pas à me souvenir. Je savais que c'était un truc down, mais j'arrivais pas à me souvenir. Ok. On va partir par là à gauche. Donc oui, la petite mouche jaune que j'ai récupérée, c'est un assez bon item. Merde. Qui fait d'énormes dégâts aux ennemis dès que je me fais toucher. Voilà, donc là je l'ai laissé faire le travail. Mais surtout, c'est un orbital qui protège des projectiles et qui compte pas dans la limite des 3 orbitaux qu'on peut avoir. Donc on peut avoir 3 Pretty Flies plus la mouche jaune. Pour une protection supplémentaire aux projectiles, donc c'est... C'est un item underrated, j'ai envie de dire. Ok. Oh putain, il y avait un rocher devant. Au secours. Alors là, en termes de dégâts, Protosis. Oh putain. Ah mais là, ça va devenir compliqué de rater les tirs en fait. Proptosis, c'est des énormes larmes au corps à corps qui font de moins en moins de dégâts plus elles parcourent de distance. Ah oui, mais là mes larmes sont tellement énormes que ça va devenir difficile de rater des tirs. En plus, ça booste les dégâts des araignées. Après, ce qu'il nous faut, c'est vraiment un cœur bleu quoi. C'est vraiment des HP. Ouais. Ah oui, mais mon dieu. Go shop t'as. Ouais, j'y vais. Je cherche un shop. Est-ce que c'est une arnaque ça ou pas encore? Est-ce que piège vie, si t'es encore là, est-ce que tu considères ça comme une arnaque? Ou pas?
d'avoir des larmes trop grosses pour rater son tir. Ok. En plus, je fais la balle de dégâts, quoi. Ah, mais là, par contre, ça va être chiant. Ok. En plus, les spectrales tirent. Ouais. Ouais, les spectrales tirent, ce serait sympa. Et là, je meurs sur les pics. Oh, le story fraîcheur. Le story fraîcheur, c'est. Ouais, c'est sympa, hein. Là, il faut que je reroll pour un cœur bleu et ça m'en fait 4 quoi. Diplopia. Ah, Diplopia quand même, hein. Diplopia, ça se refuse pas, mais là, j'ai besoin de cœur bleu quoi. Aux elfes de Diplopia. Ah, c'est vrai que Diplopia, c'est un peu grid. Joue safe les cœurs. Aïe aïe aïe. C'est vrai que ce serait le play safe, mais après, est-ce que si je claque Hiera, si je claque Hiera, j'ai deux cœurs bleus déjà. Et je peux quand même prendre Diplopia. La tentation, j'avoue, c'est chaud. Non. Allez, joue safe. Je suis. Au fond de moi, je me sens très mal hein, de laisser ce Diplopia derrière moi. Sachez-le. Sachez que je suis très très triste. Là, le David Deal va être incroyable et je vais regretter. J'en suis sûr. J'ai presque envie que le David Deal soit nul à chier là pour pas avoir de regrets. Ouais. Enfin, je le tire en fait, puisque Mumsweak ça peut spawn des mouches, même, enfin des araignées, même quand. Même quand il n'y a pas d'ennemis dans la salle, c'est vraiment tout le temps. Oh non! Oh si! Ah, même ça, j'aurais été content de lire. De pas de le lire, à de le. Diplopia. C'est pas des dégâts dont t'as besoin. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi je suis dans l'optique du toujours plus. Ah, ah ouais, non, mais cette salle elle va être giga chiante. Ah, les araignées, oui, allez-y. Oui, dans l'optique de finir l'échelle demain, ouais, c'est vrai que. Ah, nickel, il est sorti, lui, bravo. Bravo à toi. Il faut mourir maintenant. Ah, il faut mourir. Il faut mourir, merci. Le dernier, le petit, là, qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens. Mais t'es bien parti, là. Voilà, super, bravo. Merci d'exister. Super. C'est vrai qu'il est plus raisonnable que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? D'accord, j'ai compris, j'ai tout compris. Ça va juste être super chiant. Ah, d'accord, il est mort sans que je tape les caca. Non mais ça va, après j'ai Proptosis de pack, Chocolate Milk, c'est pas non plus Mais du coup, Sierra, on l'active quand? Parce que Hiera, le problème, c'est que... J'arrive pas à casser les caca. Du coup, j'ai pris un dégât comme un connard. Des cœurs bleus, c'est vrai qu'il faudrait deux cœurs bleus dans la même pièce. Ouais, deux cœurs bleus dans la même pièce, ça serait sympathique. Mon grid, t'es mignon, mais... Oula, sur le pognon. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 5, 17, ça me ferait 34. Est-ce que c'est bien de le faire sur ce pognon? Ah, la connaide, super. Des chances de bloquer les tirs, un cœur bleu, et je crois que c'est tout. Encore la salle du clavier qui colle. Ok. Parce que en vrai, ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a le story fresher. Donc sur le pognon, c'est sans doute une bonne idée.
C'est parti. Rendez-moi ça. Parfait, 38 euros. 38 euros, suffit qu'on ait un cœur bleu dans le prochain shop. Et c'est 7 cœurs bleus. On aura même assez de rab, on aura même assez de... On aura même du rab, je veux dire, pardon. Pour un petit système ou deux. Il suffit qu'il y ait les soldes. Lui, on s'en fout, j'ai pas envie de gaspiller mon pognon pour toi. Ouais, bah là, je peux pas faire grand-chose. Allez, bute-le. Ah non, mais c'est le dernier shop, là. Fait chier, ça. Donc, du coup, c'est zéro, Yera, en fait. Yera sur le pognon, finalement, c'était de la merde. J'avais pas fait gaffe qu'on était déjà rendu à Necropolis 2. Active ton Book of Belial, par contre. Elle spawn en haut et je te tue. Bien sûr, elle spawn partout sauf là où je veux. Mais... Ça va, casse-toi. Le boss rush. Non, si c'est juste ça, ça m'intéresse pas. Cassons-nous. Ok, ça va le faire, ça devrait le faire. Très très chiant cette salle. Ah, ça unlock la secret ceci dit. Putain, mais casse-toi, cassez-vous tous là. Allez, voilà, c'est bon, j'ai 75 euros, 80, super. 80 euros, est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va vraiment faire le shop de Zyosh? Est-ce qu'on va se battre contre Zyosh? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Là, je suis moyen chaud. Parce que tout à l'heure, on avait la Chaos Card, donc c'était marrant, mais... Ah, si on drop une Chaos Card, par contre, c'est tous les jours qu'on va hush. Hein. Hush, il est si gros qu'il serait difficile à rater, ceci dit. Comment je fais pour prendre aucun dégât là, mais d'accord. Il y a un rush marqué là. Ok, 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 ok. Ok, parfait. Bonjour à vous. Non, ok, si c'est bon, je crois que j'avais tiré un de trop. Non, il est... Putain, c'est chiant. Je sais pas quand il est invincible ou pas. Ok, bon, là, il était pas invincible, apparemment. Je peux être Guppy ou pas? J'ai combien d'items de Guppy? Zéro, hein. Allez, je me casse, ça me saoule. On va arrêter de dépenser des cœurs, j'en ai plus. T'as l'HP, ça va être compliqué, là. Ça m'inquiète un peu. Pour être honnête, ça m'inquiète un peu. Putain, si j'avais pris, j'aurais pu me mettre 3 cœurs bleus là. Vas-y, régale-moi toi. File-en des cœurs bleus toi, tu peux m'enfiler des coffres rouges avec des cœurs bleus dedans. Ouais, t'es. C'est... Non, il va mourir. Bon, c'est bon. File des trucs là. Pourquoi il me file que des coffres rouges? Le paperclip, vraiment. Immathématise, bah surtout pas. Pff, putain, c'était nul. Il était pas du tout rentable, ce type. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'est bien, mais c'est pas des cœurs bleus, ça. Ok. Ok. Non, 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 ah non.
Oh non, 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 mais pas vous. Putain, je les déteste tellement. Ça peut être un problème de dégâts, ça va être un problème de HP en fait là. Hein. Parce que. Ouais, voilà, voilà ce genre de salle là. Ce genre de salle là, qu'est-ce que j'en pense? Cette salle, il y a marqué va te faire foutre dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ok. Ok. Allez, un petit truc là. Qu'est-ce qui pourrait être bien? C'est un Cards Against Humanity. Je peux pas la prendre, dommage. C'est une nouvelle carte qu'on unlock qui remplit toute la salle. Remplit toute la salle actuelle de caca. Donc c'est rigolo. C'est rigolo avec le Petrified Poop. C'est rigolo. Enfin, même si on n'a pas le Petrified Poop, en général on l'a d'ici la fin de. Ici la fin de la salle. Hein. C'est critique là, hein. C'est très critique. Oh, putain, c'était une SPS ça. C'est ultra long à clear. Bah, ça dépend de ton item. C'était un Tiki, Grimstone ou. Non, putain, mais les araignées! Non mais... Elle a tué son pote et du coup j'ai raté mon tir. Putain mais il faut être... Et après c'est moi qui suis lucky, bah dis donc. S'il faut pas entendre quoi. C'est vraiment critique là. Hein. Ça en vrai... En vrai c'est bien hein, mais... C'est bien le Glowing Hourglass permettrait de restart des salles où on a vraiment trop fait de la merde, mais est-ce que ça vaut le coup de... Ça veut dire qu'il faut que je fasse une salle de... Ouais, il faut que j'enchaîne 3 boss avec un seul cœur, quoi, donc c'est quand même chaud. Ok, j'ai pas trop compris la trajectoire de ma bombe, mais... L'essentiel c'est que ça se soit bien passé. Faut pas trop que je spam parce que si jamais... Si jamais il se casse ou qu'il devient invincible, j'ai l'air d'un con. Allez, allez. Ça va bien de le réussir là. Ouais, mec, sous largeur. I'm excited, ça va ça va booster les ennemis là dans un moment, ça va être chiant. Faut que je drop des cœurs, vous là, comme à l'étage d'avant, comme ça, dès que j'ai besoin, je peux venir me refil. Ah putain, c'est tentant ça. Hein. Oh oui! Enfin. Pff. Je sais pas. C'est bien ça, non? Oh, voilà, c'est bon, les ennemis sont accélérés à cause de la pluie, M-Excited de ces morts là. Non! Oh putain! Oh
Putain, j'ai été TP super pas loin. La moule d'une vie. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est chiant, c'est super chiant cette salle. On va quand même la faire. Si jamais il faut repasser par là, sinon on aura l'air con. Non mais putain. En plus, du coup, on active le Polaroid on hit, du coup, maintenant. Ok. Bon, ça a l'air d'être par là. Hein. De 2 cœurs rouges à 7 cœurs bleus en 5 secondes. Ouais, mais quand même, enfin, j'ai fait la salle de challenge. Je veux dire, c'est pas tombé du ciel non plus. Mais c'est vrai que. C'est vrai que cette Guppispo là, elle a bien. Elle a remis la run sur le bon chemin. Et du coup, j'avoue que je fais plus vraiment gaffe à ce qui se passe. Putain, c'était pas par là, c'était chier par contre. Ok. Demi-cœur, on s'en fout, c'est sûrement à droite là-bas. Ouais, c'est pas en mode t'as été lucky, c'est en mode GG. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Bah, toi, je te déteste bien en fait. Avec ta salle de merde là. Et ouais, bah oui, mais c'est chiant. Bah oui, c'est super chiant. Ok. Vas-y, viens là, toi. Ok, toi pareil, viens là. Ok. Oh putain. Merde. Non, bah non, par contre, faut pas que je meure là, ça ce serait dégueulasse. Je sais pas combien j'ai d'HP, mais. J'ai juste à esquiver, on voit la mouche, elle fait le taf là. Enfin, quand elle y va quoi. Allez, la mouche. Et bah, c'était close hein. C'était carrément close. Tout ça pour unlock le Kaidnitz. Putain, mais c'est quoi cet artwork? Cet artwork du Schnapps. 3 coeurs à la fin, bon. Bah c'est bon. Oh là, mais là j'ai fait des sacrés heures sup. Hein. J'ai fait quasiment un stream de 4 heures avec ces conneries. Bon allez, YouTube à plus.